Oui, là, là. Nous sommes réunis Nous sommes réunis ici, ce vendredi saint, en cette église Notre-Dame de l'Assomption à Fafan et partout ailleurs chez vous, mais tous ensemble pour Nicolas, notre Nicolas. Cette église que je n'ai jamais vue aussi vide, Covid-19 oblige. Mais c'est la seule raison. Nous, tellement tous ensemble pour Nicolas. Cette maladie, invisible, mais tellement réelle, qui nous met tous et toutes au même niveau devant le danger, qui remet ce monde devant ses vraies valeurs. Tous ces gens indispensables que l'on exploite pour rien. Et tous ces soi-disant élites qui pensent être au-dessus de tout et qui étouffent ces indispensables. Notre Dieu, ce Dieu à tous et à toutes, de toutes les religions, nous a lancé ce fléau pour réfléchir à l'avenir et aux vraies valeurs de la vie et nous a conduit vers un vrai recueillement. Maintenant, nous sommes là pour notre fils, le fruit de notre amour, à Valérie et à moi-même. Il est parti si vite, si jeune. Quel gâchis à nos yeux. Il était plein de projets, à la recherche de nouveautés, à vouloir découvrir le monde, la vie est plein d'espoir. Il n'est plus là. Certes, on ne le verra plus. On ne le touchera plus. Mais il est là. Et il sera toujours là, chez nous tous et toutes. Le bon Dieu nous l'a pris vers lui, dans une paix éternelle. N'en doutez pas. Il nous a quittés dans une machine infernale où aucune loi physique ne peut y résister. Mais Dieu nous l'a épargné. Après un acharnement mécanique et physique de ma part, il était toujours là, entier. Et surtout, l'autopsie nous l'a confirmé que tu n'avais pas du tout souffert. L'impossible, l'improbable était là. Mon fils, notre fils, était là, certes sans vie pour nous, mais il était là, entier pour nous, pour que nous puissions lui offrir des funérailles dignes. Nicolas est né avec une malformation cardiaque. Il a été sauvé grâce à la science. Il a fait des folies de jeunesse, bien qu'il n'était pas très vieux. Un accident de la route, sa C3 était pulvérisée. Lui, quasiment rien. Il aimait les sensations fortes. Nicolas était instruit. Son bac, son BTS, son dernier diplôme universitaire de méthanisation le rendaient fort pour affronter
sa vie future. Nicolas était passionné, désireux de découvrir des fermes, des techniques et des états d'esprit. Merci aux familles Devenot, Varlet, Bondenay et Peter Schmidt pour la France et toutes celles qui l'ont accueilli à l'autre bout du monde pendant son périple d'une année, qui ont su l'apprécier et lui faire ouvrir les yeux sur le monde. Merci à vous tous et toutes. Vous lui avez fait ouvrir les yeux sur la sécurité dans le métier de l'agriculture à haut risque. Malheureusement, c'est en appliquant une de ces règles de sécurité, descendre des tracteurs en arrière, que tu t'es fait mal au genou, comme ton parrain. Même en appliquant ces règles, nous prenons des risques à chaque instant avec des engins puissants et sans pitié. Nicolas, tout comme nous, a été choqué, bouleversé par le départ si brutal de son parrain et surtout par cette haine dévastatrice qui explose cette famille qui avait déjà tant souffert. Sans penser à l'avenir de nos enfants réciproques et à leur bien-être dans ce monde déjà si compliqué à affronter. Lundi, il nous a quittés, mais il a été sauvé de tout son poids et il a rejoint tous ceux que lui et nous avons su apprécier et aimer. Sa mémé Emma, distributeur de bonbons, son pépère qui l'adorait, son papy qui le prenait pour un sauveur, sa mamie qui était très droite mais qui l'aimait tant, sa mémé Maria que je n'ai pas su lui faire connaître assez, et son parrain qui n'a pas pu comprendre et qui le soulagera là-haut. Adieu Nicolas, mon fils, sois en paix. Ne t'inquiète surtout pas pour nous, pour tes frères. Nous arriverons à garder la tête haute avec beaucoup de communication et plus aucune haine ne nous atteindra jamais. Car nous savons que tu es apaisé. Nous nous rejoindrons un jour, mais nous allons encore passer un bon moment ici-bas, tous ensemble. Et ce jour que Dieu aura choisi nous permettra d'être à nouveau tous réunis. On t'aime très fort et ton étoile brillera toujours au-dessus de nous. Adieu, Nicolas. Mon chéri, t'étais toujours en retard. Pourquoi aujourd'hui t'es parti avant tout le monde? Nicolas, on t'aime. Ensemble cet après-midi, nous affirmerons que tous les liens que nous tissons au long de nos vies ne s'arrêtent pas avec la mort. Accueillant la parole de Dieu qui nous est dite, nous lui demanderons de recevoir Nicolas comme son enfant. En ce vendredi saint, nous célébrons la passion du Christ. Marquons-nous de la croix, signe que Dieu nous aime jusqu'au bout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Nicolas, par ton baptême, tu participes à la résurrection de Jésus. C'est pourquoi je vais ranimer maintenant la flamme du cierge pascal, symbole du Christ ressuscité. C'est avec confiance que nous nous tournons vers toi, Christ. Seigneur Jésus, venu dans le monde partager nos peines et nos joies, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ, mort sur la croix pour vaincre en nous la mort et le péché, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, pour nous ouvrir le chemin de la vie, prends pitié de nous. Nous nous tournons vers toi, Seigneur. Dans notre recherche et notre désarroi, à qui d'autre irions-nous ? Nous osons croire que nos souffrances, nos peines, nos préoccupations sont les tiennes. Viens au-devant de nous, que ta parole nous éclaire et que ton amour nous nourrisse par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Et nous accueillons la parole de Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix. Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître.
connaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer, trouver dans ma vie ta présence. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Quelques jours avant la Pâque, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant je suis bouleversé. Que puis-je dire ? Dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non. C'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait : Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore.
Nicolas a travaillé. Il a servi. Il a aimé. Il a aussi souffert. Nous espérons. Nous avons confiance. Nous savons bien que tout cela ne peut pas disparaître et mourir définitivement. C'est pourquoi, nourris par la parole de Dieu qu'on vient d'entendre, nous prions avec confiance. Nicolas, par ton sourire, tu faisais rayonner et partager ta joie de vivre. Tu étais attentif à tous nos projets, par un geste, une parole, un sourire. Tu as su être à notre écoute. Pour que tu nous aides à continuer la route de la vie, prions le Seigneur. Seigneur, les amis et la famille de Nicolas pleurent aujourd'hui. Sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation et aussi de vivre dans l'espérance de retrouver un jour celui qu'ils aiment. Nous t'en prions. En cette période troublée, des hommes et des femmes accompagnent tes malades. Répands ta grâce sur eux tous et suscite auprès des souffrants des dévouements qui soient dignes, qui soient signes de ton amour. Nous t'en prions. Nous te prions, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui nous suivent, et tous ceux qui se sont confiés à notre prière. Connaissent lassitude et découragement, Seigneur, donne-leur la force et le courage de parler, de se confier et de les aider à vivre et à espérer, afin de ne pas commettre l'irréparable. Nous t'en prions. Comment ferions-nous, Seigneur, pour te rendre quelques grâces, alors que tu as permis que Nicolas nous quitte? Nous gardons en notre bouche un goût amer, de rancune, voire de révolte. Mais si tu le veux bien, que ce soit Jésus lui-même, homme de nos douleurs, devenu porteur de ta joie, le corps de l'humanité voué à mourir, devenu le corps vivant de notre gloire. Que ce soit lui, au creux de nous, qui recueille nos silences et nos voix, qu'il est nous de son propre chant, et t'adresse toute reconnaissance pour la vie de l'autre côté de la mort.
car c'est de lui que s'élève jusqu'à toi l'hymne de la création renouvelée, depuis que la lumière de Pâques éclaire sa croix défaite et nos tombes désormais inutiles, depuis qu'un feu nouveau a repris au cœur déconcerté de ton Église et du monde. Oui, celui qui est la vie de tout être et qui nous a créés pour elle s'est laissé enfermer dans la mort afin d'en surgir libre à jamais et de nous entraîner avec lui dans son retournement vers ton jour. En prenant nos appuis sur cette bonne nouvelle, nous pouvons te parler, Seigneur Dieu, et t'adresser la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Délivre-nous du mal, Seigneur, de toute peur, de toute crainte, de toute mort. À la prière de ceux et celles qui ont su vivre en ton amour, la Vierge Mère et les saints de tous les temps. À la prière aussi de tous les témoins de ta résurrection à travers tous les âges. Donne-nous de vivre en ta vie, de renaître en ton amour, afin que nous puissions souhaiter ta paix en vérité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et maintenant, nous allons adresser un dernier adieu à Nicolas Pascal. Mon Nicolas, mon filleul chéri, ces 22 années passées avec toi furent un véritable bonheur. Dès ta naissance, tu nous as déjà fait peur avec ton petit cœur, mais tu as résisté. Nous t'avons tous ensemble protégé et chéri, peut-être plus qu'un autre enfant, mais sans te ménager, puisque tu as tout fait, voire plus qu'un autre enfant, comme si le temps était compté. Je suis fière d'avoir été ta marraine, et plus encore, la complicité que l'on avait était exceptionnelle. Tu as été mon filleul exclusif et j'espère avoir bien honoré ma mission. Afin que vous ayez des liens cousins-cousines très forts, tout petit, on s'entendait avec ta maman pour que vous soyez avec Clarisse de 6 mois, ta cadette, en vacances chez mamie et papy ensemble. Les inséparables Nicolas et Clarisse. Même sans forcément parler, vous connaissiez par cœur. L'hiver, nous partions les deux familles ensemble au ski. Les souvenirs débutent aux écoles de ski. Vous aviez à peine 3 ans. Puis, tous sur les pistes, ce n'était que du plaisir. Les sandwichs à midi au soleil, où chacun racontait son histoire ou son périple du matin. Quel bonheur! L'été, pas de vacances à la ferme. Alors, pour que tu connaisses les plaisirs de la mer, tu venais quasiment chaque vacances avec nous. Notre façon de vivre était loin des obligations de la ferme, mais au fil des années, tu as appris à lâcher prise sur certaines obligations qui n'en étaient finalement pas. Comme avoir son bol attitré, ranger les chaussures dans le bon ordre, manger à telle heure, et j'en oublie encore. Introvertie, tu as appris avec Clarisse à aller vers les autres.
Les anecdotes de vacances sont nombreuses. Mais surtout, tu aimais les sensations fortes, comme le canyoning en Ardèche ou en Corse. Tous nos amis te connaissaient et à l'unanimité, chacun était surpris par ta maturité. Je suis heureuse que tu aies pu vivre 2 ou 3 mois avec Charlie et Estelle en Australie, qui t'ont vraiment beaucoup apprécié et ont pu te découvrir adulte. Ce souvenir restera gravé dans leur cœur à jamais. Quand tu es partie vivre l'aventure seule, sans parler un mot d'anglais, tu m'as vraiment bluffée, alors que j'appelais tes parents pour leur demander de te faire revenir. Ton retour n'a pas été celui que l'on souhaitait avec les événements malheureux de la famille. Tu as toujours eu du mal à t'exprimer, à exprimer tes sentiments, mais nous n'avons jamais lâché. Même si l'on n'avait pas de réponse à nos messages, nous avons continué en te parlant. Avec la complicité de Clarisse, nous avons réussi à trouver une date pour que tu passes un week-end à Lyon vers elle. Je suis tellement heureuse que tu aies passé ce moment avec elle. Tu nous as apporté un plaisir immense. Tu es et resteras une très belle personne avec du cœur, du courage et des valeurs humaines profondes. Nicolas, ton pépère, ta mamie, ton papy, Rémi, ton parrain et bien d'autres t'attendent les bras ouverts. Sois en paix avec eux. Nous te faisons la promesse que nous trouverons tous la force, avec l'aide de Dieu, de nous relever pour toi. Salut Nicolas. Entre nous, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des crises, et tu n'aimais pas que j'ai toujours raison. Mais quand tu es revenu de Nouvelle-Zélande, tu avais changé. Tu ne me laissais plus avoir raison. Il y a eu des fois où tu as bien fait, mais d'autres où on allait jusqu'à s'engueuler. Je suis sûr que de là-haut, tu te rappelles encore le premier ensilage après Rémi. Ou encore d'il y a 2 semaines, quand j'ai lâché les vaches, tu m'as incendié. Je t'ai fait la gueule pendant 1 semaine. Mais il y a eu surtout des bons moments, comme quand on était dans la piscine, où les 3 avec Léo, on était toujours en phase, on était toujours contents. Sache que je te garde au plus profond de mon cœur et que je t'aime. Père très bon, puisque ton amour nous rassemble tous en une seule famille, souviens-toi de Nicolas qui est ton enfant. Souviens-toi de tous tes enfants et accueille-les dans ta maison.
Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère, dans l'espérance que tous ceux et celles qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure. Tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid. Non, je n'y crois pas. Car je crois que tu es là, que tu marches auprès de moi. Oui, ça j'y crois. Et je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce. Oui, ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer, te voir là sous la terre. Non, je n'y crois pas. Je ne crois pas au silence, à la peur ou à l'absence. Non, je n'y crois pas. Mais je crois que tu es là, dans mon cœur, au fond de moi. Oui, ça j'y crois. Je crois que tu me serres comme tu me serrais hier. Oui, ça j'y crois. Oui, je crois que tu m'embrasses, que personne ne te remplace. Oui, ça j'y crois. Et j'y croirai pour toujours tant qu'il reste de l'amour. Oui, crois-moi. Nous ne trouvons pas les mots pour remercier tout l'élan de solidarité, de générosité et de soutien qui s'est formé autour de notre famille. Nous remercions nos cousins, cousines, avec ce groupe WhatsApp et toutes ces bougies et prières depuis lundi. Nos voisins, amis, familles, qui malgré le confinement, nous ont apporté leur aide, des repas et tous leurs gestes de soutien. Le monde agricole qui nous a proposé tellement de soutien. Monsieur le maire qui, dès la nouvelle, a tout mis en œuvre pour nous aider. Les entrepreneurs qui ont mis à notre disposition du personnel, ainsi que les volontaires particuliers. Les services de secours, ainsi que la cellule de soutien psychologique. L'abbé Jaco pour cette célébration. Et Florian Boiteux, qui nous a permis de suivre cette célébration, à tous ceux qui le souhaitaient et qui ne pouvaient pas être présents. Nous oublions certainement beaucoup de remerciements, tellement la chaîne de solidarité est d'une ampleur incommensurable. Mais ce qui est sûr, c'est que tout cela restera gravé dans nos mémoires. Maintenant, vous pouvez faire un geste de dernier adieu.
Tu dis que tu t'en vas, mais je voudrais rester dans l'angle de tes bras. Et quand tu reviendras, tu n'es plus là maintenant. Remonte les souvenirs de tout ce que l'on a vécu, à ceux qui sont là aujourd'hui et tous ceux qui ne sont plus dans ma vie. Ressurgissent encore tous ces souvenirs, des souvenirs qui te ramènent à moi. Je me souviens très bien d'un temps où je ne connaissais pas la peine. Je croyais en l'éternité, que tout resterait pareil. Mais mon cœur est comme un hiver quand on prononce ton nom. Car je ne peux plus t'appeler, un jour nous nous retrouverons. Hey. Tout le monde souffre parfois, tout le monde souffre un jour. Hey, hey. La douleur passera, j'aimerais lever mon verre pour tous ceux qui sont présents. Je lève mon verre, mais toi tu n'es plus là maintenant. Remonte les souvenirs de tout ce que l'on avait.